Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que ça va. Moi, ça va super bien, débordé, mais on trouve du temps pour parler sur les réseaux sociaux. Les avocats en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, je vais parler particulièrement de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est le même cas partout, mais je vais me concentrer sur la Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous poser une question. Pourquoi, quand des pauvres gens, quand je dis des pauvres gens, pas pauvres financièrement nécessairement, quand des gens qui ne sont pas connus se retrouvent dans des problèmes avec des gens qui sont connus en Afrique, vous refusez de prendre ces causes-là en main. J'ai déjà été victime de ça. J'avais lutté pour la cause du bébé d'Angré, ce bébé qui avait été charcuté dans cet hôpital de Angré à Abidjan. J'ai tambouriné sur toutes les portes. J'ai frappé à gauche, à droite. Quatre avocats m'ont fait faux bond. C'est le cinquième qui a eu l'honnêteté de me dire, ma soeur, cette cause-là, tu n'arrives pas à trouver un avocat parce que cet hôpital-là est lié au pouvoir. J'ai dit, mais même si un hôpital est lié au pouvoir, mais si des gens font des bavures, des gens font des traitements aux patients là-bas qui ne sont pas bien, donc on ne peut pas critiquer, on ne peut pas mettre un avocat, on ne peut pas avoir d'avocat qui va lutter cette cause-là. J'ai remarqué ça en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a comme 4 jours de cela. Je vous ai fait une vidéo. Oui, aujourd'hui, je vais donner les indices, mais je ne vais pas encore dire ton nom, parce que je te garde au chaud. Oui, les événements se sont passés le vendredi 26 février à Bouaké. Une jeune fille de 19 ans qui est partie avec un footballeur. Oh que oui, un footballeur ivoirien connu aujourd'hui qui est rattaché à la FIFA là-bas. Oui. Il a même fait Sénégal 92. Je donne déjà les indices comme ça. Après, quand il dit ton nom là, ça fait une bombe sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant là, ma cause aujourd'hui, on est en train de chercher un avocat. Mes amis, il est parti en week-end avec cette jeune fille là. Quand il partait avec elle, il est parti avec son collègue aussi footballeur. Ils sont allés à Bouaké. Ils ont dormi à l'hôtel Arc-en-Ciel. Mais chose, je mets les preuves. Ils ont dormi là-bas. Il a violenté cette fille là sexuellement. Je vous épargne les détails par pudeur et puis par respect pour la victime. Je vous épargne tous les détails. Dieu seul sait ce qu'il a fait à cette fille-là. Pourquoi il s'est comporté comme ça avec la fille? Il est arrivé avec elle là-bas. Elle s'est dit, bon, je vais aller voir mon cousin. Aller voir son cousin quand elle est revenue. Il a commencé à la frapper depuis le hall de l'hôtel jusqu'à ce qu'il soit monté dans la chambre. Il a fait tout ce qu'il veut à la fille, devant, derrière. Je vous épargne, comme je vous dis. Ça dit que les horreurs qu'il a faites à cette fille-là. Mes amis, la fille est rentrée à Abidjan. Quand elle est rentrée à Abidjan, elle a porté plainte. Depuis qu'elle a porté plainte là, il a été convoqué. Il est venu au commissariat. Bien évidemment, il a nié les faits. Mais quand lui venait au commissariat, déjà, il est venu avec un avocat. Cette jeune fille de 19 ans, sa mère en Allemagne, elle est depuis le jour où les incidents se sont produits, les faits se sont produits, elle lutte pour avoir un avocat. Tous les avocats, quand on la met en contact avec ces avocats-là, non, comme le monsieur est connu, mais il est connu, mais il y a des allégations graves qui sont portées sur lui. Est-ce qu'il était connu plus que DSK? Est-ce qu'il était connu plus que les R. Kelly? Il était connu plus que toutes ces grandes stars mondiales. Mais pourquoi l'Afrique ne sort pas de cette léthargie-là? Pourquoi l'Afrique ne sort pas de ces mentalités-là? Mais vous êtes des avocats. Vous êtes allés à l'école. Vous avez une déontologie à respecter. Oui, c'est vrai. Un avocat, là, c'est la cause qui t'intéresse. C'est dedans que tu te mets. Mais la cause est là. On vient vers vous. Pas un problème d'argent. Vous comprenez? Et tout ce qu'on trouve à dire, non, c'est parce que il est si il est avec les gens de la FIFA là-bas, c'est eux qui sont au pouvoir. Oh que oui. Vous les boss de la FIFA là-bas là, il y a un joueur parmi vous là-bas là, il y a des allégations de viol contre lui. Je vous donne la date, le 26 février à l'hôtel Arc-en-Ciel à Bouaké, il a violenté sexuellement avec des sévices. Qu'il a fait à cette jeune fille-là. La plainte est là-bas. Lui aujourd'hui, qui est aujourd'hui, lui qui a des, sur lequel il y a des soupçons, lui il est un avocat. La dame, depuis l'Allemagne, elle se débat pour avoir un avocat. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais vous êtes allé à l'école pour des causes, non? Donc pourquoi vous allez rester dans cette peur-là? Hein?
C'est parce que tu vas aller lutter cette cause-là, tu vas perdre ton travail. Donc, vous êtes là, vous triez, non comme il est connu, mais il y a des faits graves qui sont là. Et toi, ton travail, tu t'en vas, tu fais ton travail. Et ce problème-là, on l'a à tous les niveaux de l'Afrique. Oui, c'est ça. Tu t'en vas dans les hôpitaux, les médecins, les patients ont des problèmes avec les médecins, le personnel soignant. On s'en va aussi au niveau des institutions de l'État. Là-bas, il y a problème. On vient aussi chez les avocats, où on avait dit que la corporation était autonome. Là-bas encore, il y a problème. Donc, ça veut dire que si tu es pauvre en Afrique, là-bas, là, si le riche t'a fait quelque chose là, tu ne vas jamais avoir un avocat pour défendre ta cause. 4 avocats aujourd'hui, que cette sœur en Allemagne, avec lesquels elle a parlé, tous vous la tournez en bourrique. Parce que le présumé, ça dit que celui qu'on accuse là, le présumé accusé, oui, je vais encore te donner la présomption d'innocence. Hein? Je vais te donner ça. Mets ton nom là, je vais mettre ça sur la toile. Je ne suis pas encore pressée. Nous, tout ce qu'on cherche aujourd'hui, ma vidéo là, c'est pour qu'on rentre en contact, c'est-à-dire pour qu'un avocat rentre en contact avec moi. Je vais vous mettre en contact avec la mère de la jeune fille qui est en Allemagne. Je veux un avocat sérieux. Je n'ai pas dit les avocats pépettes. Les avocats mangent mille. Des avocats qui n'ont pas. Ça dit que l'amour de leur métier, ce n'est pas ça. Je veux un avocat sérieux qui s'y connaît. Parce que la cause est sérieuse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui, moi, je n'ai au commissariat, il a nié. Bien évidemment, il a nié les faits au commissariat. Mais quand il a fini de nier les faits, au commissariat, déjà, ils ont déjà commencé à intimider la fille. Oui, il ne faut pas que ça vienne sur les réseaux sociaux. Il faut attendre d'abord. Il a nié les faits au commissariat. Mais quand il est parti chez les parents de la fille, là-bas, il a reconnu les faits. Oui, reconnaître les faits, c'est quoi? Il a dit oui, pour réparer tout ça là, je vais payer son école. Moi, ma part que je prends, je vais payer son école. Mais pourquoi tu veux payer l'école d'une jeune fille dont on t'accuse de l'avoir violée? Tu décides de vouloir payer son école. Donc, ça veut dire que ce qu'on te reproche, tu te reconnais dedans. On a les voices de ça. Hein? Les voices, le problème, est ça, c'est qu'il y a trop de bruit. Donc, ils sont en train de les envoyer ça en Allemagne. Ils vont essayer de filtrer ça. Et puis, ça va être clair. Quand on aura les voices en notre possession, je vais venir mettre ta voix sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas parler. Ça dit juste ta voix. On va te reconnaître. Partagez la vidéo. Partagez. Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui en Afrique qui souffrent dans l'ombre. Partagez la vidéo. Mes amis, ce vendredi 26 février, comme je vous explique, les faits se sont passés à l'hôtel Arc-en-Ciel à Boaké. Quand il a commencé à violenter cette fille dans cette chambre d'hôtel, son ami avec lequel il est parti, oui, quand il va voir les indices, il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Son ami avec lequel il est parti entendait des cris dans une chambre. Il entendait des cris, mais lui, il ne savait pas que c'était son ami qui faisait ça. Parce que leur chambre était séparée. Mais cet ami-là est descendu pour signaler à la réception, pour dire, mais il y a du bruit en haut. J'entends une jeune fille qui est en train de crier. Est-ce que quelqu'un peut aller voir là-bas? Il est descendu une première fois. Les bruits n'ont pas cessé. Il est redescendu encore cet ami-là. Mais est-ce que quelqu'un allait voir en haut? Personne n'est allé voir là-bas partout. Il a fait tout ce qu'il voulait. Donc, la fille maintenant, tellement elle se sentait mal, elle a dit, bon, moi, je vais rentrer à Abidjan. C'est comme ça, il est parti, il a déposé la fille à la gare. Il lui a donné son transport. Il était là, il faisait le pied de grue, comment on dit ça? Il faisait le guet-apens, il guettait pour voir jusqu'à ce que le car parte. La fille est rentrée à Abidjan. C'est rendu à Abidjan qu'elle a déposé la plainte. Donc, maintenant, quand on appelle cet ami-là, oui, son ami footballeur-là, quand on l'appelle maintenant, c'est là l'ami dit, ah, non, c'était lui qui faisait ça. J'avais entendu les bruits, j'ai alerté la réception, mais personne n'est monté. On a tous ces voices-là. On a tous ce qu'on dit, ce papeau-là. On a ça. Aujourd'hui, je suis là pour dire, oui, il faut que cette culture d'impunité-là cesse en Afrique. Il faut que des gens qui pensent qu'eux, ils sont au-dessus de la loi. Oui, aujourd'hui, tu es greffé à la FIF, on dit tu es greffé au pouvoir en place. Mais les gens qui sont au pouvoir en place, eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Oui, même les procureurs à Dou, les quoi, est-ce qu'on va accepter de coller son image à quelqu'un qui est accusé de viol? Non. On ne peut pas accepter ça. Mais dans l'ignorance, ce qu'il a dit, mais quand je partais avec elle, elle s'attendait déjà à ce qu'on allait faire, c'est ma copine. La fille a été honnête. Le premier rapport sexuel que vous avez eu, quand vous êtes arrivé, elle a dit c'était un rapport sexuel consentant.
Elle était d'accord pour le premier rapport sexuel. Africain, je vous ai dit de vous réveiller. Le premier rapport sexuel, là, j'étais d'accord. On était bien. Mais le deuxième rapport sexuel, où tu m'as frappé, tu as fait de moi tout ce que tu veux. Tu as utilisé un cigare qui était tiède. Tu as fait de ça. Ça dit ce cigare-là. Toi, si tu sais où tu allais mettre ça. Tout ça, on a les éléments. Mais comme j'ai dit, on attend d'abord qu'un avocat sérieux rentre en contact avec nous pour essayer de voir s'il peut s'intéresser à la cause. La dame n'attend que ça. La mère de la fille, partagez le direct. C'est une histoire, je vous raconte, quand ça vient sur la toile, vous-même, vous allez tomber des nues. Ouais. On ne peut pas accepter ça. Ça dit que l'impunité, on ne peut pas accepter ça. À un moment donné, il faut que ça cesse. La mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Celle qui est en Allemagne, elle a dit, moi, j'attends seulement d'avoir un avocat sérieux avec lequel je parle, tout et tout, au moins qu'il prend cette cause-là, là, je peux descendre à Abidjan. Mais tant qu'il n'y a pas d'avocat, tant que ce n'est pas encore, c'est cet avocat-là, il faut au moins dans le dossier, et puis quand ils vont transférer ça chez le procureur, il va voir au moins qu'il y a quelque chose de solide dedans, mais rien. Elle a de la misère à trouver un avocat. On vous contacte dès que vous voyez que c'est lui, ce présumé monsieur violeur-là. Tout de suite, on fait d'une manière, bon, je vais te rappeler ou bien je vais te confier à un collègue. Même le médecin qui a fait le certificat médical, il est convaincu que les actions se sont passées. Il est convaincu que ce qu'on reproche à ce monsieur-là, c'est vrai. Vous savez ce qu'il dit à la fille. En tout cas, comme il est proche du pouvoir et puis il est relié à la FIF-là, moi, tout ce qu'elle peut te dire, si tu peux dire à ta maman de laisser, elle n'a qu'à laisser pas. Et ça, là, ça ne va pas aller quelque part. Ils vont faire jusqu'à quand ça ne peut pas aller. Toi, un médecin, voyez-vous? Bon, si le médecin même là a peur de... Ça dit que ne t'encourage pas, toi la victime. Alors que le rôle du médecin là, c'est d'encourager les victimes à dénoncer. C'est ça. Il faut que les gens dénoncent pour que cette culture de l'impunité dans les affaires de viol... Combien de victimes sont dans l'ombre jusqu'aujourd'hui qui attendent au moins de parler, au moins qu'on l'écoute? Mais on vit dans une société où, ça dit, les gens... Je pense que c'est normal. Voyez-vous, quand il y a eu le mouvement du monde entier, où les anciens viols, tout et tout, les femmes se sont exprimées. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur l'opinion internationale? On a dit que les femmes africaines sont restées en marge de ce mouvement-là. Pourquoi on est resté en marge? Parce qu'on vit dans un milieu où ça dit que ce monsieur, on dit non, lui, il a l'argent, il peut se trouver toutes sortes de femmes. Mes amis, le viol n'a rien à voir avec, il a l'argent. Vous avez vu toutes ces grandes personnalités dans le monde entier qui ont fait ça aux femmes. C'était des personnes au-dessus de tout soupçon. Donc, nous, on est là pour ces causes-là. Aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est que il y a un footballeur ivoirien qui a fait Sénégal 92. Hein, je donne un peu les petits indices. Sénégal 92, qui est rattaché aujourd'hui au boss de la FIFA. Il y a des allégations de viol contre lui. Ce viol-là s'est produit le 26 février dernier à l'hôtel Arc-en-ciel de Boaké. Mais on attend, on est en train de faire la recherche d'un avocat. La mère de la jeune fille, la fille a 19 ans, elle est déjà étudiante, tout et tout. Donc sa mère cherche un avocat sérieux pour prendre sa cause en main. C'est ça le but. Pour l'instant là, je me limite à ça. Partagez la vidéo. Le viol, ça peut arriver à ton enfant, ça peut arriver à ta soeur, ça peut arriver à un membre de ta famille. Parce que le violeur là, c'est une personne lambda, une personne, comme on dit, au-dessus de tout soupçon. Pour l'instant, l'impacteur s'arrête là. Affaire à suivre. On n'a pas encore commencé l'épisode. Je peux dire que c'est les prémices que j'essaie de lancer. Les épisodes 1 et 2 là, j'attends. Son nom va sortir sur la toile. Dieu seul sait ce que ça va faire. Merci. Donc, n'importe quel avocat qui est sérieux, rentrez en contact avec moi. Ciao.